tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver après ces longs mois où on ne s'est pas croisé dans le cadre de cette opération. En premier lieu, on voulait mettre à l'honneur la gagnante du mois de février, puisque la cérémonie était prévue au mois de mars, mais elle n'a pas pu se dérouler, bien évidemment, des conditions que l'on sait. C'est Laura Tarantola, donc, qui pratique l'aviron à l'aviron grenoblois. D'être là en représentant de la SAMC. Ça fait un petit moment qu'on suit le sport local et que ce soit plus ou moins grande échelle avec le FCG, le GF38, les clubs locaux et l'aviron aussi depuis un petit moment. Donc, encore félicitations à elle pour un sport qui est quand même très exigeant. Laura aurait été ravie d'être là avec vous, mais là elle est actuellement dans un camion, encore en route pour Gravelines parce que la route est longue. Sur ce chemin pour les championnats de France. Mais là, ça fait partie des bons moments, donc je la remercie de me laisser profiter de ça, et puis je le remettrai avec un grand plaisir. Je vous remercie beaucoup de l'avoir félicité, ou en tout cas permis d'avoir gagné ce grand trophée. Donc, au nom de Philippe Véret, du Cercle et de l'ensemble des partenaires de cette passion, je vous remets le trophée. Merci. Pour Laura. Vous la féliciterez pour nous. D'or, le cercle d'argent et le cercle de bronze. Voilà donc pour le titre de sportif de l'année. Donc en fait c'est vrai qu'on s'est posé la question parce que c'était une saison un peu tronquée. Finalement on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison pour les 6 lauréats des 6 premiers mois de cette saison de ne pas organiser le vote comme on le fait. Et donc après ce vote, et bien c'est Maxime Gaudouin qui a été élu. Merci au Cercle, merci au Dauphiné. C'est vrai que c'était une année un peu particulière aussi pour les sportifs et même les sportifs de sport extérieur dont je fais partie, les sports d'endurance en trail. Il y a eu aussi des offres qui se sont créées, qui ont été suivies par le Dauphiné d'ailleurs. Et je remercie le Dauphiné de donner un petit peu de lumière à nos sports qui sont peut-être un peu moins médiatisés. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous pour l'organisation de cette soirée, pour avoir eu de ce prix et surtout un grand merci pour la lumière que vous mettez sur des disciplines parfois méconnues, mais qui demandent aussi pas mal d'engagement. Merci Maxime. C'est celui que nous gardons, mais votre nom est gravé à vie sur ce cercle. Voilà ce que je voulais dire.